Que cette année 2024 soit pour vous toutes, pour vous tous, une année de paix, une année de bonheur, une année d'abondance, une année de prospérité et aussi d'excellente santé. Nous mettons un grand effort et l'accent sur la jeunesse, parce que pour nous, la grande richesse de l'Afrique et du Mali, c'est sa jeunesse. Et cette jeunesse talentueuse qui a besoin d'être formée, donc la formation professionnelle est très importante, et d'orienter sur les nouvelles technologies et les technologies de l'innovation et de la digitalisation, et aussi les technologies autour de l'environnement, les énergies renouvelables, l'agroécologie, et aussi donc une combinaison, une approche holistique au développement. 2024 sera aussi une année où nous allons beaucoup travailler avec nos différents partenaires, les partenaires étatiques, et les partenaires, les entreprises privées, et donc les autres ONG, parce que nous sommes aussi une fêtière, et aussi donc les jeunes dans les universités et les communautés rurales. Nous avons les terres, nous avons les ressources en eau, nous avons le soleil, et donc et il y a l'innovation. Donc une combinaison de tout ça permet vraiment de créer un monde donc, où il fait beau vivre, et donc et sur ce, nous vous souhaitons encore une fois, à vous toutes et à vous tous, une excellente année 2024, dans la paix, dans l'amour, dans l'abondance et aussi en excellente santé. Je vous remercie. Que Dieu bénisse le Mali. Bonne et heureuse année à tous les collègues, collaborateurs et partenaires de Mali Folk Center. L'année 2023 a été marquée par plusieurs activités au sein du Mali Folk Center. Entre autres, l'organisation de la première semaine de l'innovation, l'appui aux initiatives privées et aussi beaucoup de campagnes de sensibilisation autour des changements climatiques et la protection de l'environnement. Pour cette année 2024, dans un défi énergétique que le pays est en train de traverser, le Mali Folk Center va toujours continuer à proposer et à renforcer la solution des énergies renouvelables pour permettre à la population d'avoir un accès durable aux énergies renouvelables. Bonne et heureuse année, et que l'année 2024 soit une année de succès et de réussite. Je souhaite à tous et à toutes une bonne et heureuse année 2024, que cette année soit une année de paix, de cohésion sociale pour le Mali, une année de santé pour vous tous et pour vos familles respectives. Je vous souhaite une excellente et heureuse année 2024. Je souhaite une bonne année 2024 qui sera peut-être couronnée de succès pour l'ensemble du personnel. Que cette nouvelle année soit une année de succès pour le Mali tout entier, que la paix revienne au Mali et dans la cohésion et dans la sécurité totale. Je souhaite très bonne et heureuse année 2024 à tous les Maliens et à toutes les Maliennes. Et que la paix et la cohésion reviennent très vite au Mali. Que l'année 2024 soit une année de réussite, de prospérité pour tout le Mali ainsi que l'ONG Mali Folk Center. Le meilleur moyen de prévoir le futur, c'est de le créer. Bonne et heureuse année 2024. Bonne année, bonne année.